Faut qu'on discute. Qu'est-ce que tu fais là? Thibaut a vendu du fourrage à tes gosses sans mon accord. T'es au courant? Non, ils ont fait quoi? Il a trafiqué la facture et tes enfants ont pas payé. Faut qu'ils arrêtent leurs conneries. Hein. Moi, ce fourrage, j'avais mis de côté pour des clients. Je fais comment? Ça me fout dans la merde maintenant. Non, mais je comprends. Ouais, bah, va falloir arrêter de se payer ma tête. Écoute, je sais que ton mari est à l'hôpital, mais franchement, c'est pas des manières. Tu pourrais le dire à tes mômes, ça? Oui, alors, excuse-moi, j'étais pas au courant. Je suis désolée. Je vais te le rembourser, ton fourrage. Enfin, ça sert à rien qu'on se dispute comme ça, là. J'ai juste besoin d'un peu de temps parce que c'est compliqué, là, en ce moment. 2 jours. Pas plus. Et tu me paies content? Yvon, on se connaît depuis 20 ans. Je peux pas faire autrement. Et on a tous nos problèmes. C'était qui? Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Bah, les carottes. Maman? Bah, tu te rends compte? Avec tous les soucis que j'ai, comment vous avez pu me rajouter ça sur le dos? Je sais pas, on pouvait pas laisser les bêtes mourir de faim, mais on avait besoin de ce fourrage. Tu voulais qu'on fasse quoi? Eh ben, il fallait m'en parler. Enfin, vous savez très bien qu'envoie votre père sont en froid depuis des années. Comment vous avez pu penser que ça passerait? Donc à partir de maintenant, vous vous occupez de la ferme, je m'occupe de la trésorerie, c'est chacun son rôle. Sinon, on va pas s'en sortir. Donc déjà, au-delà de notre découvert autorisé, je sais même pas comment je vais le couvrir. Et maintenant, je dois payer Yvon en 2 jours? Mais je vais craquer, moi. Vous me faites chier, Basile. Regardez, vous connaissez, on va se retrouver interdit bancaire. Il va se passer quoi, du coup? Ce qui va se passer? On a déjà hypothéqué la ferme. Donc, si on peut plus payer, on va nous prendre nos terrains agricoles, nos bêtes, tout. Sinon, il faut vendre. On est là vraiment? On n'a pas le choix. Non, mais attends, tu portes vraiment ces plateaux à la cantine? Oui, c'est pour l'aider. Bah, moi j'aide les gens, moi. C'est pas aider là? Bah, si. Je vous rejoins un coup? Minir, ouais. Ok. Ça va? Ça va et toi? Ça va. Je suis désolé pour la visite de mon père. Puis j'espère que t'as pas eu trop de soucis avec ta mère. Non, ça va, enfin. Elle était pas très contente, mais c'est surtout Basile qui a pris. L'avantage d'être en internat, pour une fois. Bah, t'as de la chance. Bah, sur ça, je suis jaloux. Hein. Je suis désolée, hein, toi, t'as dû te faire déchirer. Non, j'étais sûr de ma magouille et. En vrai, je m'en fous. J'aimerais même recommencer, si c'est possible, quoi. Bah ouais. Carrément, même. Je vais en cours, mais. Okay. Mais on se fait ça une prochaine fois. Ouais. Ok. Salut. À plus. Ciao. Mais tu vois, moi, je trouve ça fascinant. C'est de la folie. C'est-à-dire que là, on est en plein milieu du progrès. Tu vois, aujourd'hui, on peut soigner quelqu'un à distance grâce à la robotique. Tu vois, c'est fou. Et il y a des gens qui pensent que... Genre, ça va nous remplacer, nous. Alors que justement, la robotique, c'est là pour nous aider. Tu vois, que ce soit pour l'écologie, l'agriculture, pour plein de choses. C'est extraordinaire. On est dans le progrès. Tu vois ce que je veux dire? Non. Je te fais chier? Tu sais lire les signes. Mais je sais pas, tu vas pas me poser une question sur moi? Un truc nouveau? Pourquoi t'es en béquille? Si tu veux pas me le dire, y a pas de soucis. Le vif du sujet direct, quoi. On n'est pas obligé d'en parler. Hein. J'ai une dysplasie de la hanche. C'est une malformation de l'articulation, en gros. Du coup, je me suis fait opérer il y a quelques semaines. Et c'est pour ça que je suis en béquille et que j'ai loupé des cours. Ok, mais ça va être soigné, du coup? Bah, on verra. En fait, le but, c'était surtout d'alléger la douleur, d'éviter les complications, mais... Enfin, c'est sûr que j'aurais pas la même mobilité que toi, par exemple. D'accord. Et il y a des trucs que tu peux pas faire? Bah oui, plein. Tu vois pas comment je galère à la cantine avec mon plateau, déjà? Et de manière générale, enfin pour trouver un taf ou autre. Au début, je voulais grave faire un bac pro forêt. Puis là, du coup, je me suis rabattue sur le travail de labo, mais c'est cool, hein. Puis c'est pas vraiment ce que je voulais faire, quoi, mais c'est cool. D'accord. Bah, en tout cas, moi, je suis désolé. Mais non, mais... pas de pitié, je t'en supplie. Il y a pire. Il y a largement pire, non? Ok, bah désolé. Enfin, non. Du coup,
Pas désolé, quoi. Voilà.